Si vous cherchez des astuces et des techniques qui vont vous permettre de progresser sur FL Studio, vous êtes au bon endroit parce qu'aujourd'hui on va voir 10 techniques avancées slash intermédiaires sur FL qui vont vous permettre de progresser à vitesse grand V. La première technique que je vais vous présenter, c'est comment make unique avec un raccourci clavier. En fait déjà, make unique, ça sert à faire quoi? C'est lorsque vous voulez dupliquer une piste et que vous voulez que lorsque vous appliquez une modification sur la nouvelle, ça ne modifie pas la précédente. Parce que si je me contente de faire un mash click, à chaque fois que je vais modifier ici, donc je rajoute par exemple deux notes, ça va aussi modifier ici, même si j'ai dupliqué. Là, ce que je veux faire, c'est dupliquer, et quand je vais faire des modifications sur cette piste-là, ça ne va pas modifier la première. Alors, l'ancienne façon de faire ça, c'était tout simplement de dupliquer normalement comme je viens de le faire, et ensuite d'aller ici et de faire Make Unique. Bon, ça prend un petit peu de temps. Maintenant, il y a un nouveau raccourci clavier qui consiste à faire CTRL-SHIFT-V. Donc, je sélectionne ça, je fais CTRL-SHIFT-V, et directement, vous voyez que ça va transformer en pattern numéro 2. Et toutes les modifs que je vais ajouter, ça ne va pas modifier le pattern numéro 1. Donc ça, ça permet un gain de temps énorme, notamment avec le raccourci clavier. Et ça s'applique sur les pistes comme celle-ci, donc les patterns, les pistes audio, tous les éléments en fait, que vous allez ajouter, vous allez pouvoir faire ce raccourci clavier. Et ça va vous permettre de modifier sans changer la première piste. La prochaine technique que je vais vous montrer, c'est tout simplement comment extraire l'a cappella et les drums sur une musique que vous allez télécharger sur Internet, ou ça peut être également sur l'une de vos prods ou l'un de vos projets personnels. Donc vous allez glisser dans FL Studio, vous allez cliquer juste ici et là vous allez faire Extract Stems from Sample. Et là vous allez pouvoir choisir si vous voulez les drums, instruments, basses, les vocaux et vous allez cliquer sur Extraire. Donc là on va tout extraire, donc ça va me créer 4 nouvelles pistes en me conservant la première. Et là comme vous pouvez le voir, j'ai bien les vocaux en solo. Mais moi je le nettoie, j'ai pris du cash. Donc là j'ai les instruments, j'ai les drums, non là c'est la basse. Ok, et là on a les drums. Alors évidemment, c'est pas parfait, c'est comme s'il y avait un petit filtre sur les différentes pistes, mais ça vous permet déjà d'extraire assez rapidement et je trouve que de manière générale, les vocaux sortent quand même très très bien avec cette option. La prochaine technique que je vais vous montrer, c'est comment rendre une mélodie un petit peu crade, un petit peu sale. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans l'Edison, on va cliquer sur Edit in Audio Editor et là, il y a deux options qui sont intéressantes. La première, c'est l'option Blur, donc vous allez voir, on va cliquer sur la Preview. Ça va donner un côté un peu plus swell, un peu plus pad, ça va ambiant, voilà tout simplement, que vous pouvez directement appliquer ici avec le niveau dans le mix que vous voulez. Voilà, donc ça peut être pas mal par exemple pour les intros ou tout simplement pour faire un layer supplémentaire dans vos instrus. Mais ensuite, ici dans Edit Properties, on peut jouer avec le sample rate qui est juste ici en venant, on va venir réduire la qualité du sample, donc en mettant un nombre inférieur, donc par exemple 3000. On clique bien sur Resample, sinon ça va étendre le sample. On clique sur accepter, tac. Et vous voyez que c'est moins clair, c'est un peu comme si c'était filtré. Ça sonne, en fait, de mon expérience, ça sonne mieux avec certaines mélodies que d'autres. Donc à vous de tester sur, en fait, sur les mélodies plus expérimentales, ça va faire des choses sympas. Alors que sur d'autres instruments, là, comme sur celui-ci, on a l'impression juste que c'est filtré et que ça apporte pas vraiment de réelle valeur ajoutée. Alors que sur d'autres instruments, ça sonne vraiment très très bien. Donc essayez ces deux options, Blur ici et l'Edit Sample Rate qui est là-dedans. Et une fois que vous avez terminé, vous pouvez glisser votre sample juste ici avec l'option et vous glissez directement dans votre sampler. Alors la prochaine option qui est simplement un plugin qui est très intéressant, que j'avais présenté il y a quelques temps, mais qui est toujours très pratique, notamment pour les samples, lorsque vous cherchez les notes de votre sample et que vous ne les trouvez pas, c'est tout simplement le Wave Candy. Donc pour l'ouvrir, vous appuyez juste sur W, parce que c'est le raccourci clavier qui ouvre directement le plugin. Vous allez dans Spectrum, mettez les bandes, les Max Raise au maximum, Scale aussi au maximum, DB Range, vous allez réduire un petit peu en fonction des samples, de la clarté, et vous appuyez sur Play. Et en fait là, ça me sort les notes directement. Ensuite, je peux geler. Alors, une fois que j'ai ça, je vais pouvoir commencer à analyser. Alors, à quoi ça va servir en réalité? Ça peut servir à trouver la gamme, même si en vrai, c'est pas le meilleur outil pour faire ça. Avec un key finder ou un auto key, je peux trouver ça assez rapidement ou simplement avec une recherche Google si c'est un morceau connu. Mais je peux trouver la gamme avec cet outil. Mais surtout, je peux trouver les notes des accords. Vous voyez que les notes qui sont ici, elles sont affichées en bas à droite. Vous voyez ici, quand je viens passer ma souris. Ça me permet de trouver trois quarts du temps la fondamentale et aussi de trouver les notes des accords pour venir placer ma basse ou tout simplement des mélodies supplémentaires, faire des layers. Donc c'est hyper pratique, notamment si vous n'avez pas une bonne oreille, si vous n'entendez pas bien les notes à l'oreille, vous pouvez directement le voir dans ce plugin et ça ne se trompe quasiment jamais. Par contre, le défaut, c'est lorsque vous avez plein d'instruments qui jouent, là j'ai mis une mélodie en solo donc ça va, mais lorsque vous avez plein d'instruments qui jouent en même temps, ça va être un peu brouillon et il va falloir jouer avec le DB Range pour essayer de trouver les notes.
Et parfois, c'est vrai que c'est pas très très net, mais quand même, avec cet outil, c'est quand même d'une grande aide pour trouver les notes plus facilement. Alors, prochaine technique qui en soi est dans la continuité, je vais vous montrer comment changer les notes sur un sample. C'est-à-dire, pas sur une mélodie que vous avez fait vous-même, sur une mélodie que vous avez pris sur Internet, d'un ancien morceau, ou tout simplement une loop que vous avez pris sur Splice ou sur Looperman, peu importe. Donc, vous allez faire clic droit sur le sample, Edit in Pitch Corrector. Alors, en réalité, Newton, c'est pas mal, mais c'est pas non plus l'idéal pour le faire. Il y a plein de gens qui le font sur Melodyne ou sur d'autres plugins, notamment un que je vais vous présenter dans une vidéo. Donc, restez bien connectés si cette astuce en particulier vous intéresse, parce qu'il y a un plugin qui permet de faire ça encore plus simplement et qui est très accessible, mais il n'est pas gratuit malheureusement. Newton, ce qui est super, c'est que c'est directement inclus dans FL Studio, mais c'est, en fait, en soi, c'est aussi un plugin payant, mais qui est directement dans FL Studio. Et en fait, ici, vous allez pouvoir modifier les notes, mais le truc c'est que c'est pas hyper précis. Ça marche mieux pour les samples, les sons uniques. Donc par exemple, lorsque vous avez une 808 ou un one shot ou je sais pas, une note de mélodie, ça va être plus simple que sur une mélodie complète où là par contre ça va être un peu plus dur de modifier la note. Mais on peut quand même le faire en soi. Avec si par exemple je prends cette note là, je la mets là. Ok. Vous voyez, on a du coup modifié la note et là ça fait un peu comme si c'était un vinyle qui se relançait ou un tape stop un petit peu l'effet que ça a créé. Et comme ça on va pouvoir modifier les notes. Alors je vous accorde, comme je vous dis, c'est pas hyper précis, mais c'est directement dans FL Studio. Je ferai un tuto plus poussé d'ici les prochains jours, voire les prochaines semaines, sur un outil qui permet spécifiquement de faire ça. Alors la prochaine technique, elle est hyper pratique, notamment lorsque vous voulez reverse des mélodies, mais les garder dans le bon sens. Vous allez très vite comprendre ce que je veux dire. Donc imaginons que là, j'ai cette mélodie-là, je veux la reverse, mais le problème, c'est que quand je reverse une mélo, en gros, ça va mettre ça ici. En gros, ça va prendre ça, ça va le mettre au début. Là, j'ai envie que ça, ce soit toujours au début, mais que ma mélo soit reverse. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais double-cliquer, je vais faire CTRL-A, ensuite je vais faire ALT-Y, et je vais flip horizontally. Et maintenant, je vais reverse ma mélodie, donc pas avant. Donc là, ce que je peux faire, c'est la consolider. Tac, tac, on va faire ça. Donc là, je fais CTRL-ALT-C pour consolider la mélodie seule, ou je peux l'exporter en audio, ça revient quasiment au même. Et là, je vais pouvoir maintenant cliquer sur reverse. Donc, on va le mettre là. Alors, pas l'étirer. Bien la remettre dans les temps. Pareil, donc on regarde bien. Là, ça m'a l'air bon, on va écouter. Donc là, on a bien la première partie. Donc là, c'est la mélo qui n'est pas reverse. D'ailleurs, c'est intéressant. Je vais la reverse aussi pour vous montrer la différence parce que là, c'est peut-être pas forcément très clair. On va reverse ça aussi. Oui, c'est là. Hop. Là, nickel. C'est déjà dans les temps. Nickel. Vous voyez la différence? Là, on a la partie aiguë. Donc en soi, la première partie de la mélodie qui se trouve à la fin. Alors que ici, on a la mélodie aiguë qui est au début. Donc là c'est nickel pour l'exemple, je pense que c'est très très clair, vous avez bien compris, d'où l'intérêt de cliquer sur le bouton flip horizontally. La prochaine technique c'est pour tous ceux qui jouent au clavier MIDI ou même au clavier normal, le clavier d'ordinateur, ça fonctionne aussi. Pour tous ceux qui freestyle un petit peu des mélodies, notamment lorsque vous avez la prod qui joue en fond et que dessus vous allez jouer des mélos, parfois vous allez jouer quelque chose de sympa et vous n'allez pas réussir à le reproduire quand vous l'enregistrez, vous avez tout simplement oublié ou vous ne vous savez plus en fait le rejouer. Donc ce que vous pouvez faire c'est freestyler, donc par exemple là, enfin, je mets n'importe quoi, c'est juste histoire d'enregistrer un truc. Et là, vous voyez, j'ai pas appuyé sur le bouton enregistrer, mais je peux quand même récupérer ces notes en allant ici dans l'outil Tool et Dump Score Log to Selected Pattern. Et là, dans les deux dernières minutes, 5, 10, 20, 30 dernières minutes, mon ordinateur a enregistré ce que j'ai joué, même si j'ai pas cliqué sur enregistrer. Donc là, dans les deux dernières minutes, ça c'est ce que j'ai joué. Donc là, ce qu'on vient d'entendre, on va vérifier. Vous voyez, c'est exactement ce que j'ai joué là il y a quelques secondes avant. Et ça va me permettre de récupérer des mélodies et ensuite venir de les travailler directement dans le piano roll. La prochaine technique, elle est incroyable pour tous ceux qui veulent faire des layers directement dans FL Studio. Alors je sais qu'il y a des plugins là, comme Xpand que j'ai ouvert ou même Vinyl Guitar en soi qui permettent directement de faire des layers dans le plugin. Mais il y en a plein où on veut superposer des sons, mais c'est compliqué parce qu'on utilise différents VST et on ne peut pas directement jouer toutes les notes en même temps. On ne peut pas faire un layer, faire comme si c'était un seul instrument. Donc vous cliquez sur plus et vous allez cliquer sur layer. Peut-être que ça a un petit peu l'air compliqué comme ça, mais en réalité c'est très simple. On va cliquer sur layer et on va sélectionner les instruments qu'on veut mettre dans le layer. Donc on va faire comme ça. Donc je reste tapé sur Alt et j'ai cliqué, puis j'ai descendu avec la souris. On va faire Set Children. Ok, là c'est nickel. On peut faire Show Children pour vérifier que les trois sont bien mis.
là c'est le cas. Et là, à chaque fois que je vais jouer une note là-dedans, ça va utiliser mes trois instruments d'au-dessus. Bon, alors là, c'est peut-être pas les trois meilleurs instruments, quoique je trouve que ça sonne pas si mal que ça. Ça va nous éviter en fait de faire un petit peu à la Nick Mira, un peu ce qu'il faisait à l'époque, c'est genre il prend ça, ensuite il fait ça, il fait ça, ensuite il fait une modif, je sais pas, là-dedans, ensuite il le remet dans son pad, il refait ça. Voilà, bon, c'est un peu comme ça qu'il travaillait là, je sais pas, j'ai des flashbacks de 2018-2019. C'était beaucoup comme ça, alors que là, du coup, avec cette option-là, on peut tout faire dans le même pattern. La prochaine technique, ça concerne les one-shots et les slides. Donc, en soi aussi, les basses, ça peut être une astuce pour les basses, qui va permettre, en fait, de faire des slides uniquement sur certaines notes. Donc là, imaginons que j'ai un accord et je veux faire un slide sur cette note-là uniquement. Le problème, c'est que lorsque je vais mettre un slide ici, là, ça va, en gros, prendre toutes ces notes-là et venir les monter sur cette note-là. Donc, c'est un petit peu galère. Nous, ce qu'on veut, c'est uniquement qu'il y ait cette note-là qui slide. On va changer la couleur de la note. Donc, par exemple, je vais prendre du rose. Et ensuite, je vais mettre le slide en rose. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Il y a seulement cette note. Je vais vous mettre deux fois ça pour que vous puissiez comprendre la différence. Donc là, vous voyez, on a tout qui shut down. Alors que là, on a eu que cette note-là, et ces deux notes-là, on continue de jouer au même pitch. Alors là, peut-être que vous vous demandez à quoi ça sert. Ok, on a écouté deux notes, ça slide, mais ça sert à quoi? Alors déjà, ça permet de complexifier les mélodies, et encore probablement plein d'autres choses auxquelles je n'ai pas pensé. À vous d'être créatif avec cette option, mais en tout cas, ça ouvre vraiment le champ des possibilités. Juste cette option-là, en fait, ça peut vous permettre de créer des trucs de malade, comme un peu à l'époque, ce qu'ils avaient fait avec le son Moonlight de XXXTentacion, qui était vraiment axé sur ce truc de pitch qui part un peu dans tous les sens. Bah là, on a la possibilité de faire ça, mais sur des notes spécifiques. Et notamment sur les leads, ça peut être aussi incroyable. La dernière technique que je voulais vous partager, c'est comment humaniser les mélodies, mais pas avec Alt-S ou Alt-R ou peu importe. Alors, on peut l'utiliser aussi également, ça fonctionne toujours très bien, ça fait maintenant des années, je pense que c'est une astuce qui est extrêmement connue. Mais plutôt avec autre chose. Alors, on a peut-être un peu marre d'entendre toujours le même accord, on va faire ça. Donc là, vous voyez, on a cette option-là de Alt-S qui permet de déplacer légèrement les notes, Alt-R qui permet de jouer avec la vélocité. Alors moi, j'ai une nouvelle astuce qui en soi n'est pas tellement une astuce, on est plus sur une vidéo de technique, hein. Astuce, c'est plus des petits tips, on va dire. La technique, c'est, disons, moi, je prends plus ça en mode technique de production, des choses un peu plus complexes. Bah là, moi, ce que je fais personnellement pour humaniser Melody depuis maintenant un certain temps, et qui vient donner du vrai réalisme, c'est tout simplement de déplacer les notes moi-même et d'écouter pour avoir le réalisme que je veux vraiment à la note près. Donc en gros, ce que je fais, c'est que je clique sur une note, je reste appuyé sur Alt, et je viens moi-même décaler les notes comme ça. Et après, pareil pour les vélocités. Alors là, sur cet instrument, c'est peut-être pas le meilleur pour faire ça, mais vous allez voir que sur certains instruments, ça va vraiment jouer énormément sur le son que vous allez pouvoir ressortir. Il suffit qu'une note soit trop forte et la mélodie sonne beaucoup moins bien. Donc là, je viens faire chaque vélocité en fait manuellement en fonction de ce que j'entends. Vous voyez que parfois il y a des instruments où la basse, la note de basse de l'instrument est trop forte et ça vient vraiment gâcher tout. Alors que quand vous allez faire un simple Alt R, bah, peut-être que ça va pas spécifiquement modifier cette note correctement et ça va gâcher un petit peu votre mélo. Pour tous ceux qui ont les réflexes de clavier, un peu de speedrunner, vous allez faire Alt-R, Alt-S, vous allez passer à autre chose, vous allez dire « Ah, c'est bon, c'est, la case est cochée, c'est humanisé. » Alors que moi, je vais plutôt faire un Alt-R, un Alt-S, ça c'est vrai. Et ensuite, je vais écouter la mélo pour dire « Ok, est-ce que là, il n'y a pas une note qui est trop forte ?» Voir un peu ce travail-là qui justement est plus humain derrière. Et ensuite, retravailler chaque vélocité manuellement. Je vais vous montrer une mélo sur laquelle j'ai fait ça, c'était vraiment efficace. Donc là par exemple sur cette mélodie, j'avais vraiment fait chaque vélocité de manière spécifique. Les notes, je les avais pas spécialement décalées à part ici un petit peu. Vous voyez que là ça s'est vraiment fait manuellement, c'est pas avec un Alt-S ici pareil. Bref, je vais reset la vélocité de la deuxième mélo qui est en soi la même que la première. Vous allez voir la différence. Voilà, on a plus de réalisme dans le jeu, alors que là, c'est un peu plus robotique. Notamment ici, ça bug un peu. Et là, ça sonne beaucoup plus naturel, simplement parce qu'il y a ce jeu qui a été fait sur les vélocités, notamment sur cette note-là, qui est un peu plus mutée, alors que là, ça vient limite faire un bug dans la mélo.
Voilà, bref, vous voyez que les vélocités, c'est extrêmement important. Et là, sur cette vélo, si j'avais juste fait Alt-R, Alt-S, ça sonnerait pas aussi bien que si j'avais fait manuellement. Dans cette vidéo, je vous ai partagé 10 techniques avancées sur FL Studio. Si vous souhaitez faire des instrumentales avec des one-shot kits parce que vous n'avez pas forcément d'argent pour acheter des VST ou tout simplement vous préférez travailler avec ça, n'hésitez pas à regarder cette vidéo dans laquelle je vous présente exactement comment bien utiliser les one-shot kits.